beaucoup. Regarde Lily, ce qu'il y a eu dans ma lettre. Je sais pas ce que c'est. De quoi? Oups. C'est un petit truc. Je sais pas si c'est des bonbons ou. Non, je crois. Il pleure plus enfin. Oh, genre bébé. Vous avez... Bon alors, qu'en as-tu pensé? Qu'en as-tu pensé? Pense à quoi? Bah, t'en penses quoi? Bien. C'est drôle? Et je sais... T'as cru que t'avais de la peinture rose? Il y a encore du rose, dirais un peu. Non. C'est Rosie. Lui, il a produit. Ah bah oui, là par exemple, là tu t'es mal rincé. Là t'es rose. Pas grave. Tu t'es pas rincé, là c'est encore collant de savon. C'est mignon comme ça. Mais on va pas à l'ascenseur, on va dehors. Bon, nous allons poster les lettres que j'ai répondues tout à l'heure. Il fait froid, il y a du vent et tout. Attends, faut qu'on regarde les départements. Non, j'ai perdu une Pokémon. Voilà, puis maman va bientôt venir chercher la Lilette qui part dans le sud en vacances. La chance. Elle s'est scratchée. T'es pas fait trop mal? Non. Tu peux? Oui, un petit peu. Mon copain est parti avec un pote. Il va aller jouer et un petit Lily. Coucou. Tu fais mal. Bah oui, parce qu'en fait, vu qu'ils sont en train de faire, enfin qu'il y a encore des travaux, ils mettent un fil pour délimiter combien de fois je me, oui, je me suis pris les pattes dedans, mais sans tomber. Et elle, elle est. Oh le petit bobo! Elle aussi. Et du coup, elle s'est ramassée, j'allais dire attention le. Et là, boum, par terre. Attends, bon, sinon, le soleil est un petit peu changeant. Un coup il fait beau, un coup il fait pas beau. Un coup il part. Hein. Il revient. Il y a du vent. Le framboisier est tombé. L'herbe est trop haute. Je savais que les framboises se reproduisaient vite, mais là il y a déjà un autre bébé qui pousse. Par contre, peut-être qu'elle est trop haute, mais elle est trop belle cette herbe. Vu qu'elle est un peu à l'ombre, un peu dans l'humidité, elle est grave belle par rapport à celle-là qui est un peu. Pas terrible. On voit plus une partie. Et ouais, mon bébé fraise. Bon, il y a déjà plein de fleurs, mais il y avait un bébé fraise qui poussait. Il est là. Il est pas encore rouge hein. Elle sort dehors avec l'ordi juste pour que je lui mette le code, n'importe quoi. Non, sinon en fait, oui la vie est très sale, mais il y a aussi des algues en fait. Et j'ai vu sur internet que soit ça pouvait être parce qu'il n'y a pas assez de plantes à l'intérieur, soit ça pouvait être parce qu'on éclairait trop. Et du coup j'ai essayé de changer un petit peu l'éclairage et d'en mettre un peu moins. Pourtant il me semble que ça respecte à peu près ce qu'elle nous avait dit. Mais vu qu'il y a le minuteur, le programmateur, franchement je sais pas trop comment il marche, j'ai pas tout compris. Enfin bref, du coup voilà, faut absolument acheter une éponge, parce que là ça fait dégueu et je déteste ça. Je pense que j'achèterai une éponge vite fait en attendant. Mais bon voilà, du coup c'est pas terrible, il y a des algues qui s'accrochent à la plante et tout, c'est pas très très beau. Et je pense qu'il doit y avoir des algues peut-être un peu sur les cailloux du fond parce qu'ils sont moins blancs. Et il faut aussi que je repositionne la pompe, je pense que je vais faire ça vu que c'est... Vu que le néon est éteint, il sera pas bouillant, donc je vais faire ça. Parce que peut-être que ça joue aussi, parce que j'ai l'impression que ça s'est un peu déclenché un peu au moment où la pompe s'est un peu tombée, on va dire. Ah! Et ben d'un coup ça a vachement avancé les algues, alors qu'avant c'était pas sale quoi. Après j'ai vu sur internet que c'était normal au début à cause du cycle de nitrate qui était pas fait, je sais pas quoi. Peut-être que le taux est trop élevé, donc il peut y avoir des algues, donc ça peut être pour ça. Bon, ça peut être pour plein de raisons. Si ça persiste, c'est inquiétant, mais si ça persiste pas, c'est pas dramatique. C'est bon? C'est le gâteau qu'on a ramené de chez la maman de mon copain, ça s'appelle un gâteau des îles, je crois. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est ça, et du coup là c'est la noix de coco, enfin ça fait un peu comme un bounty, enfin un peu comme le bounty quoi, plein de petits trucs de noix de coco, et là c'est un peu gélatineux, c'est trop bon je trouve. Enfin un peu comme un flan en fait, pas gélatine. J'adore. Et puis voilà là, enfin c'est pas vraiment l'heure de goûter, mais bon. Pourquoi t'as gardé ta veste? J'avais envie. Regardez-moi ces chaussettes, elles sont trop belles. Elles sont à paillettes hein. Et non, le canapé est pas devenu violet, c'est... À la housse que je l'ai mis pour dormir. Du coup voilà, on l'a laissé. C'est sympa un canapé violet. En plus j'ai failli faire une nuit blanche. J'ai dormi qu'un tout petit peu. Ah bah bravo. J'ai dormi à minuit. Ouais. Et me suis réveillée à 2h du matin. Mais après t'as redormi.
C'est vrai? C'est pas possible. T'as dû redormir un peu. Parce qu'elle nous a réveillés vers, je sais pas, quelle heure qu'on a commencé à appeler Emma. Il était 7h et quelques, 7h30 peut-être. Voilà, je me suis pas levée tout de suite. Hein. Fatiguée, moi. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, du coup, bon, c'était quand même pas mal de se lever tôt. De toute façon, je me lève toujours assez tôt. Et du coup, comme ça, j'ai pu répondre vraiment à pas mal de lettres. Et ça m'a pris pas mal toute ma matinée. Du coup, il reste quand même encore des lettres. Donc, je sais pas si... Enfin, de toute façon, je vais répondre pendant ces vacances, c'est sûr. Il faudra aussi que je fasse des fiches de cours. Et je pense que c'est ce que je vais faire quand Petit Crotte partira. Parce que ma maman m'a envoyé un message, j'arrive. Mais bon, elle est toujours pas là. Donc, je sais pas si j'arrive, c'est qu'elle partait. Parce qu'elle allait faire des courses après son boulot. Elle m'a envoyé il y a... Ouais, il y a un quart d'heure. Donc bon. On verra quand est-ce qu'elle arrive. Et puis petite Lily part donc, comme j'ai dit, une semaine dans le sud. Ah, maman. Bon, je vais me mettre une petite musique de révision. Vous avez été plusieurs à me demander qu'est-ce que je mettais. Et en fait, vous allez justement sur YouTube. Vous mettez soit musique reposante, musique zen ou musique, même juste musique révision, et vous allez en trouver tout plein. Donc voilà, je me suis fait un petit thé, un fichi. Voilà. Il est en train d'infuser sagement. Je vais faire mes petites fiches. Donc voilà, voilà. Et j'en ai reparlé à ma mère du coup quand elle est venue chercher Lily pour savoir quand est-ce qu'on allait s'occuper de mon bureau. Puis elle a dit que comme par exemple le week-end, pas celui-là parce que là ils seront en vacances, mais le week-end d'après, comme c'est un long week-end, si on pouvait s'occuper de ça, ce serait cool cool cool. Donc voilà, que je sache pour savoir du coup si j'achète mon petit meuble à Ikea ou quoi. Ou même deux. Je sais pas si j'en achèterai un et que je mets des pieds de l'autre côté ou si j'en mets deux. Pourquoi pas deux, après ça fait toujours plus de rangement. Mais plus t'as de rangement, plus t'as de bazar. Voilà. C'est toujours comme ça. Je regardais la vidéo d'Elsa Makeup où est-ce qu'elle a dû changer son bureau, etc. Enfin, son rangement maquillage. Et bah en fait, à chaque fois, elle rajoute des meubles et il y a toujours plus de trucs, quoi. Voilà. Voilà, voilà, bref. On s'en fout. Et oui, vous avez été plusieurs à remarquer sur mes photos Insta. J'ai mis du vernis. Enfin! C'est un blanc, c'est un Opi, c'est les nouveaux Infinity Shine là, mais je ne sais plus du tout comment s'appelle cette teinte en fait. Mais bon, sinon j'en ai marre. Tout à l'heure, je suis allée ramasser le framboisier, il est déjà retombé. C'est ça d'habiter dans une région où il y a beaucoup de vent. Et sinon, regardez ma plante. Ça y est, il y a une petite fleur. Par contre, je me demande si elle n'est pas attirée par le soleil, parce qu'à chaque fois, j'essaie de la tourner et j'ai l'impression qu'à chaque fois, les feuilles, elles vont en direction de dehors, quoi. Donc on va essayer de la tourner pour voir ce que ça va donner. Mais bon. Donc voilà, ça y est, un petit arôme, enfin. Donc ça va, hein, je suis plutôt pas trop nulle en jardinage. Pour l'instant, j'ai encore aucune plante qui a crevé. Bon, j'étais en plein dans mes fiches et je suis fatiguée. Donc je m'étais dit, je vais prendre un petit thé. Franchement, j'ai l'impression, les thés, je sais pas, ça me réveille pas. Je sais pas si je suis la seule ou peut-être que j'en prends pas assez ou j'en sais rien. Voilà, et j'ai un mal de tête là qui vient. Franchement, je pense que je vais faire une petite sieste. Je dois être un petit peu en manque de sommeil, voilà. Et c'est les vacances à la base, c'est fait pour se reposer. J'ai pas trop le temps de me reposer, mais bon, je peux bien m'accorder une petite sieste. Donc voilà. Aïe. Fancy. Dis-moi.